À la présidence de la pastorale Mandji, l'apôtre Moussavou Maurice Makai remplace le pasteur Nathanaël Maganga en fin de mandat. À l'occasion de son investiture, la locution du fondateur et leader des églises UCC au Gabon est empreinte de gratitude, notamment à l'endroit de ses pairs et des autorités. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour la confiance que vous m'avez accordée. Cette élection est non seulement un honneur, mais aussi une grande responsabilité que j'accepte avec détermination et engagement. Aux autorités administratives, politiques, judiciaires, militaires et religieuses présentes, je vous exprime ma reconnaissance pour votre soutien continu. Investi pour une durée de 2 ans, le docteur en divinité décline ici la thématique de sa mandature. La thématique de mon mandat est intitulée le Parvis, P-A-R-V-I-S. Le Parvis est l'abréviation du plan d'action pour la restauration des valeurs interreligieuses spirituelles. Depuis que le président de la transition a dit « Je remets le Gabon entre les mains de Dieu », j'ai compris que l'Église devait aussi restaurer ses valeurs spirituelles pour aller dans le même sens que le président. D'où, pendant tout mon mandat, nous aurons 15 valeurs à restaurer. Parmi ces valeurs, entre autres la restauration du pardon, de l'amour, de l'unité, de la solidarité, de la collaboration avec les autorités et les entités sœurs. Une mission noble que l'apôtre Maurice entend mener avec le concours des membres de la pastorale, sans toutefois éluder les fondamentaux. Chers frères et sœurs en Christ, notre association a toujours été un phare de lumière et d'espoir pour beaucoup. En tant que président, je m'engage à poursuivre cette noble mission avec dévouement et intégrité. Nous continuerons à promouvoir les valeurs chrétiennes, à soutenir les plus démunis et à être une voix pour ceux qui n'en ont pas. Les représentants de la pastorale dans les 4 arrondissements de Port-Gentil et dans le département de Bendji ont également été installés lors de cette cérémonie, une innovation dans le fonctionnement de l'association.